Si vous voulez, ils ne peuvent pas résoudre toutes les crises. Hein. Quand vous avez une crise qui est le résultat d'erreurs stratégiques cumulées sur une dizaine d'années, ça devient dur à ce moment-là, quand le crash arrive au bout de 10 ans, de jouer le pompier sur un marché qui n'existe plus, par exemple, ou une organisation qui est tout à fait plus conforme à la réalité du marché. Mais donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très important l'effort du pouvoir public pour justement regarder dans le détail une société qui est en crash, par exemple, voir les possibilités de la remodeler aux nouveaux enjeux du marché et de laisser du temps un peu à cette reconstruction. Et c'est là où les pouvoirs publics, c'est très important qu'ils puissent être des acteurs dans ce repositionnement des sociétés. Mais il faut que l'entrepreneur joue le jeu, et je ne vais pas dire que l'entrepreneur, aussi les employés. Il faut que les employés et les salariés jouent le jeu de ce repositionnement. Ce qui n'est pas évident, on voit pas mal de problèmes aujourd'hui apparaître qui sont le résultat d'erreurs stratégiques, de mon point de vue, quoi, du passé.